La Brianne est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La commune de la Brianne est située en Haute-Provence, ou Provence intérieure, région plutôt enclavée et isolée, mais elle est traversée par la vallée de la Durance, qui est une voie de pénétration naturelle dans le massif alpin. Ces deux facteurs ont joué un rôle important dans l'histoire. La durance est elle-même une voie de communication, empruntée par les radeliers, jusqu'au début du XXe siècle. Les Gaulois, puis les Romains, modèlent le paysage avec l'agriculture méditerranéenne. L'olivier est cultivé. La voie domicienne passe à proximité, et permet la pénétration du mode de vie romain. Au début du XIXe siècle, les routes RN100, et RN96, se croisent sur la commune, qui accueille également une gare, sur la ligne remontant vers Grenoble. Ces voies de communication rapide, ont permis une libération rapide en 1944, dans la semaine, qui a suivi le débarquement de Provence. La durance permet également la production d'énergie hydroélectrique. Aujourd'hui, c'est l'autoroute A51 qui dessert la commune. Finalement, cette commune agricole, de faible étendue, a vu sa population croître grâce à ses infrastructures. Cette situation apporte aussi ses dangers. Les transports de marchandises dangereuses sont fréquents, et la commune est menacé par l'onde de submersion, qui serait provoquée, par une rupture du barrage de Serponçon. Le nom de ses habitants est Briannet. Géographie. Le village est situé à 349 mètres d'altitude, dans la vallée de la Durance, face à Oraison. Le Laoson traverse la commune, et reçoit les eaux du Beveron, avant de se jeter dans la Durance. Les communes limitrophes de la Brianne sont Lurs, Niozel, Oraison et Villeneuve. Le canal d'irrigation de la Brianne a été creusé au XVIIIe siècle. Le pont sur la Durance, vers Oraison, a remplacé le bac au XIXe siècle. Hydrographie. La commune de la Brianne, est arrosée par la Durance, une station de surveillance de son cours, est implantée à La Brianne. Voie routière. La Brianne est située au carrefour de l'ancienne RN 96, actuelle RD 4096, qui relie Château arnoux Saint-Auban à Aubagne, et de l'ancienne RN 100, actuelle RD 4100, qui relie Avignon à Barcelonnette. La Brianne est desservie par l'échangeur autoroutier de La Brianne. Numéro 19, situé sur l'autoroute A51, qui permet une communication rapide vers le sud en direction d'Aix-en-Provence et de Marseille, et vers le nord en direction de Gap et de Sisteron. La commune est également desservie par la RD4B, ancienne route nationale 207A, qui ne fait que traverser la Durance, et arriver à Oraison, ligne scolaire. Des lignes de transport scolaire ont été mises en place, pour rallier les trois collèges de Manosque, les trois lycées de Manosque, le lycée Félix-Esclangon, le lycée des Iscles, et le lycée des métiers Louis-Martin-Bray, ainsi que le collège d'Oraison. Ces lignes, sont financées par la communauté d'agglomération Durance-Luberon-Verdon Agglomération, au travers du réseau Transaglo. En plus des lignes existantes du réseau, deux autres ont été rajoutées. Ligne 162S, parcours, oraison la Brian manosque Ligne 167S, Parcours, la Brianne Horaison. Transport ferroviaire. La gare SNCF la plus proche, est celle de la Brianne Horaison, et desservie par les TER, de la ligne de Lyon, à Marseille. Via Grenoble. La gare TGV la plus proche de la Briane, est celle d'Aix-en-Provence TGV. Risque naturel et technologique. Aucune des 198 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton de Péruy, auquel appartient la Briane, est en zone de risque moyen selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 4, risque moyen, selon la classification probabiliste EC8, de 2011. La commune de la Brianne est également exposée à trois autres risques naturels ⁇ les feux de forêt, les inondations, dans la vallée de la Durance, les mouvements de terrain. La commune de La Brianne est également exposée à plusieurs risques d'origine technologique, celui de transport de matières dangereuses par rail et route. Il s'agit du transport de matières premières à destination ou de produits finis en provenance des usines Arkema de Saint-Aubin. En ce qui concerne la voie ferrée, la ligne de Marseille à Lyon via Grenoble est toujours en service. Du côté routier, la départementale RD 4096, ancienne route nationale 96 et l'autoroute A51 peuvent être empruntées par les transports routiers de marchandises dangereuses, celui de rupture de barrage. En cas de rupture du barrage de Serponçon, toute la vallée de la Durance serait menacée par l'onde de submersion. Un plan de surface submersible, en cas de crue de la durance, est établi depuis 1961, et le crime n'existe pas. Les tremblements de terre, ressentis de la manière la plus sensible dans la commune, sont ceux du 26 décembre 1979, avec une intensité macro-sismique de 4, sur l'échelle MSK, et Volks pour épicentre et celui du 8 février 1974, avec une intensité de 3, et pour épicentre. En 2001, un wagon stationnant dans la gare de la Briane, laisse fuir du trichlorométhane. En 2002, un accident de la circulation implique un camion-citerne sur l'autoroute, et 9000 litres d'acide chlorhydrique, sont dispersés dans la nature. Toponymie en occitan provençal, on dit la brillana, cela s'écrit la brillana, selon la norme classique, ou la briano, en selon la norme mistralienne, la forme scindée la briano, qui apparaît sur les panneaux d'entrée, est incorrecte. La localité apparaît pour la première fois dans les textes au XIIe siècle, les Brinanac, en 1126, selon les auteurs cités après, qui donne la forme l'ébrinana. Ce nom de lieu, dériverait d'un nom de personne romain, le Porius, selon Charles Rostin, et le Porinus, selon Ernest Nègre. L'ajout du suffixe ana », signifiant Villade, aurait donné ensuite l'ébrinana, puis par attraction du terme occitan les l'ébrilana, la brilana. Et enfin, en français, on a fait une mécoupure, détachant le faux article-là, du nom, La Brianne. Urbanisme, typologie. La Brianne est une commune rurale. Elle fait en effet partie des communes, peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'INSEE. Elle appartient à l'unité urbaine d'Oraison, une agglomération intra-départementale regroupant deux communes et 7031 habitants en 2017, dont elle est une commune de la banlieue. Par ailleurs, la commune fait partie de l'aire d'attraction de Manosque, dont elle est une commune de la couronne. Cette aire, qui regroupe 30 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants. Occupation des sols. L'occupation des sols de la commune telle qu'elle ressort de la base de données européennes d'occupation biophysique des sols, Corinne Land Cover. CLC, est marquée par l'importance des territoires agricoles, 70,4% en 2018, néanmoins en diminution par rapport à 1990, 76,5%. La répartition détaillée en 2018 est la suivante. Terre arable, 59,9%, zone agricole hétérogène, 10,5%, zone urbanisée, 10,1%, espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation, 7,5%, zone industrielle ou commerciale, et réseau de communication, 6,2%, forêt, 5,8%. L'IGN, mais par ailleurs à disposition un outil en ligne, permettant de comparer l'évolution dans le temps, de l'occupation des sols de la commune, ou de territoire, à des échelles différentes. Plusieurs époques sont accessibles, sous forme de cartes, ou photos aériennes. La carte de Cassini, XVIIIe siècle. La carte d'état-major, de 1820 à 1866, et la période actuelle, de 1950, à aujourd'hui, la culture de l'olivier est pratiquée dans la commune depuis des siècles, tout en étant soumise à des contraintes aiguës. Le terroir de la commune se situe en effet à la limite altitudinale de l'arbre, qui ne peut que difficilement être exploité au-delà des 650 mètres. L'olivier de la Briane occupait plus de 10 hectares au début du XIXe siècle, et compte actuellement plusieurs milliers de pieds exploités. Histoire, Antiquité. Dans l'Antiquité, le territoire de la Briane fait partie de celui des Sogiontiques, Sogionci, dont le territoire s'étend du sud des Baronies à la Durance. Les Sogiontiques sont fédérés aux Vauconces. Et après la conquête romaine, ils sont rattachés avec eux, à la province romaine de Narbonnaise. Au IIe siècle, ils sont détachés des Vauconces et forment une civita distincte, avec pour capitale Ségustero, l'actuel Cisteron. De la période de présence romaine, datent quelques vestiges, dont une villa découverte par prospection aérienne en 1982. De cette époque, subsiste un élément important pour la communauté, la limite nord, avec sa voisine l'Urse, reste fixée sur le sommet de la colline du Pied-d'Olin, repère visuel dans le paysage, et qui abrita un culte gaulois. La persistance d'une telle borne territoriale, semble un processus courant. Moyen Âge. Alors que le sud-est de la Gaule, était une terre burgonde, le roi des Ostrogoths, Théodoric le Grand, fait la conquête de la région entre la Durance, le Rhône, et l'Isère, en 510. La commune dépend donc brièvement à nouveau de l'Italie, jusqu'en 526. En effet, pour se réconcilier avec le roi Burgonde, Gondemar III, la régente Ostrogoth, à Malazonte, lui rend ce territoire. Au XIe et XIIe siècle, l'église paroissiale sainte Agathe s'est revenue, relevée de l'abbaye Saint André de Villeneuve-lès-Avignon. Cette église revient au milieu du XIIe siècle aux évêques de Sisteron. Pierre de Sabran, évêque, l'échange avec un lot de possessions avec l'abbaye de Montmajour, qui lui restitue quelques églises de son évêché. La Brianne dépendait des évêques de Sisteron au Moyen Âge. Le fief s'est morcelé entre plusieurs petits seigneurs. Par la suite, appartenant d'abord au seigneur de Volx, le château de La Brianne passe en 1126 aux mains des comtes de Provence, qui en gardent constamment le contrôle. Par la suite, en 1144, l'ensemble de la famille des comtes de Forcalquier sur le conseil d'un local, donne la Brianne aux templiers. Cette donation est confirmée entre 1152 et 1157, assortie de l'accord des comptes de Fort Calquier, pour que les templiers puissent l'échanger. Aussitôt l'évêque de Sisteron, Pierre de Sabran, échange son domaine d'Olin contre le château de la Brianne. Le chapitre de Forcalquier s'oppose à cet échange. Et en 1174, une fois adulte, le comte Guillaume IV de Forcalquier, qui avait moins de cinq ans au moment de la confirmation de donation, rétablit le don du château aux Templiers. Au même moment, les Templiers accroissent leur contrôle sur la Brienne, faisant l'acquisition de l'église paroissiale Sainte Agathe. Auprès de l'abbaye de Montmajour. Ce contrôle reste toutefois limité, outre la collation de la cure qui reste soumise à l'approbation des évêques de Sisteron, le château leur est retiré par Guillaume IV de Forcalquier, 2203, qui le donne à Raymond d'Agout, avec le château de Volx. De plus, leur possession en terre et maison dans le terroir de la Brianne, était extrêmement limitée les évêques de Sisteron étant bien mieux dotés. En 1220, le château de la Brianne change encore de main. Lorsque le comté de Forcalquier perd son indépendance, en 1209, à la mort de Guillaume II, un de ses neveux, Guillaume de Sabran, tente de le relever. Après une lutte de dix ans, il passe un accord à Mérargues, le 29 juin 1220 avec Raymond Béranger IV comte de Provence et lui aussi héritier du comté de Forcalquier par cet accord la moitié sud du comté est donnée à Guillaume de Sabran avec le château de la Brianne et le péage fructueux placé sur la route reliant les Alpes à la basse Provence et empruntant la vallée de la Durance pour récupérer une partie de ce trafic Raymond Béranger Oblige les marchands à passer par Montfuron, Forcalquier, et Luros. Un bac permettant de traverser la Durance est attesté en 1270. Il faisait partie des plus fréquentés. Autre ressource économique liée à la Durance, un péage était établi en travers de la rivière, et taxait les radeliers qui la descendaient. La communauté relevait de la viguerie de Sisteron. Une statue de poilu monte la garde sur un socle carré. Monument pavoisé pour le 11 novembre. Le coup d'état du 2 décembre 1851, commis par Louis-Napoléon Bonaparte, contre la Deuxième République, provoque un soulèvement armé dans les Basses Alpes, en défense de la Constitution. Après l'échec de l'insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République, 17 habitants de la Briane sont traduits devant la commission mixte, la majorité étant condamnée, à la déportation en Algérie. Comme de nombreuses communes du département, la Briane se dote d'une école bien avant les lois Jules Ferry, en 1863. Elle en possède déjà une qui dispense une instruction primaire aux garçons, au chef-lieu. Aucune instruction n'est donnée aux filles, ni la loi Fallou, 1851, qui impose l'ouverture d'une école de filles aux communes de plus de 800 habitants, ni la première loi du Rui, 1867, qui abaisse ce seuil à 500 habitants, ne concerne la Brianne. Et ce n'est qu'avec les lois Ferry, que les filles de la commune sont régulièrement scolarisées. Plusieurs chantiers modernisent la Brianne, au cours des 19e et 20e siècles. Construction de la voie ferrée et de la gare à la fin des années 1860, inauguration en 1872, par la société PLM. Construction du pont sur la Durance dans les années 1880, inauguration en 1888. Construction de la centrale hydroélectrique, inauguration en 1908, avec son canal de dérivation, par la compagnie Énergie électrique du littoral méditerranéen. Construction d'un barrage de retenue sur la Durance et doublement du canal de dérivation pour alimenter les usines électriques de la Brianne, Villeneuve et du Largue, dans les années 1930. Reconstruction de la centrale électrique, en 1953. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, deux équipes Jöteburg sont parachutées les 8 et 9 août, pour préparer le débarquement de Provence, en menant des actions sur les arrières allemands, et notamment contre les voies de communication. Disposant du soutien de 3000 FFI, elles prennent le contrôle de la RN 96. Qui permet de remonter la vallée de la Durance, de Manosque, à Vennes. Au cours des opérations suivant le débarquement, les forces alliées franchissent très tôt les premières défenses allemandes, et se lancent dans de rapides offensives de débordement, afin de couper les voies de retraite à la Wehrmacht. Une colonne, partie le 17 août de Viedoban, franchit la Durance le 20 août au sud de Mirabeau. Le 143e régiment d'infanterie US forme une colonne qui remonte la vallée de la Durance toute la journée du 20 août et libère les villes et villages sur son passage, dont la Briane. Jusqu'au milieu du 20e siècle, la vigne était cultivée à la Briane. Plusieurs dizaines d'hectares produisait un vin destiné à l'autoconsommation et à la vente sur les marchés locaux. Cette culture est aujourd'hui abandonnée. Démographie. L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population, effectués dans la commune, depuis 1765. À partir de 2006, les populations légales des communes, sont publiées annuellement par l'INSEE. Le recensement repose désormais, sur une collecte d'informations annuelles, concernant successivement tous les territoires communaux, au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement, portant sur toute la population, est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires, étant quant à elles, estimées par interpolation, ou extrapolation. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004. En 2020, la commune comptait 1117 habitants, en augmentation de 0,72% par rapport à 2014. Pour mémoire, les Alpes de Haute-Provence, plus 2,39%, la France. Or Mayotte, plus 1,9%. Lieu et monument remarquable. Oratoire. Pont de pierre. Large de 50 cm, à parapet, en partie effondré. Pont muletier, dix Pont du Pâtre. Sur le Laosan. Clocher de l'église sainte agathe Sur la place des airs. La grande bâtisse, dotée d'une grande salle voûtée, a pu servir de relais de poste. Plusieurs ponts présentent des particularités. Le pont suspendu sur la Durance, il fait 285 mètres de long, sur 6 de large. On y accède par deux chaussées en remblai de 250 mètres. Plusieurs tentatives d'adjudication ont échoué avant que sa construction puisse commencer. Ses fondations sont établies à 10 mètres de profondeur sur un banc de poudang. Lors de la construction, deux équipes de onze heures, travaillaient en alternance. Les conditions difficiles du chantier, provoquèrent une grève. L'inauguration eut lieu le 29 avril 1888, et donna lieu à une fête de quatre jours, pendant laquelle le prix du Quatrain est décerné à Frédéric Mistral. Il a été élargi dans les années 1990, par une dalle de béton en encorbellement symétrique. Il est actuellement emprunté par la RD 471. Le pont triple sur le Laoson, dit Pont du Pâtre, sur l'itinéraire ancien de la RN 9692. Ce pont multier tombe en ruine. Le pont du Laoson, emprunté par la RN 1092, le château fort est en ruine. L'église Sainte-Agathe est construite au XVIIe siècle, avec trois travées dotées d'arcs de décharge. La première travée, plus récente, plus étroite et sans arc de décharge, date du XIXe siècle. Les fonds baptismaux sont placés dans une chapelle particulière. Le portail d'accès est sur la façade nord. La cloche date de 1613. Le tableau de la Vierge date du XVIIIe siècle. C'est une huile sur bois, classée au titre objet. Le barrage de la Briane, qui sert de prise d'eau pour le canal d'irrigation, ou canal de la Briane, est en pierre de taille et béton. Le seuil a cédé en juin 2013.